L'exercice 2013-2014 aura été marqué une nouvelle fois par des conditions météorologiques difficiles et des cours orientés à la baisse, notamment pour les cultures céréalières. Ces éléments auront pesé sur l'activité de la coopérative Terre-Comtoise et notamment sur certaines divisions comme le machinisme et la collecte de céréales. Mais grâce à la polyvalence de ces métiers et son adaptation aux différents marchés, elle démontre au fil des années sa capacité de résistance. Votre coopérative a su préserver son volume d'investissement pour offrir à ses adhérents des infrastructures et des services répondant aux nouveaux enjeux de l'agriculture. La division machinisme a inauguré deux nouvelles bases, celle de Villers-Farlay dans le Jura en février et celle de Loret dans le Doubs en octobre. Le maillage régional a été complété ce printemps avec la reprise des établissements Laville à Lille-sur-le-Doubs. Ces investissements témoignent de la politique volontariste de la coopérative d'offrir à ses adhérents des bases de proximité répondant aux standards des constructeurs et à l'évolution des matériels. Terre-Comtoise, partenaire depuis 15 ans de John Deere, a voulu fêter cet événement le 11 avril dernier en organisant un superbe son et lumière à Saône qui a convaincu les adhérents de la coopérative. Face à l'évolution technologique du matériel, la division machinisme a accentué ces dernières années sa politique de démonstration de matériel auprès des agriculteurs souhaitant découvrir les nouveautés des constructeurs. Ce sont plus de 300 démonstrations qui ont été réalisées sur 12 mois. L'ISADU, filiale distribution grand public, a renforcé ses liens avec le réseau national Gamme Vert en adoptant la nouvelle charte graphique. Sur les 20 magasins que compte l'ISADU, 9 sont sous enseigne Gamme Vert et 11 sont à présent aux couleurs Gamme Vert Village, historiquement comptoir du village. Autre nouveauté pour le consommateur, la carte de fidélité Gamme Vert, mise en place à partir du mois de mars 2014. Elle rencontre un franc succès, comme en témoignent les 20 000 cartes en circulation. Sur l'année, nos magasins auront totalisé plus de 385 000 passages en caisse. Les magasins bénéficient par ailleurs d'un soutien logistique avec une plateforme d'approvisionnement située à Viria. Cette année 2014 aurait été également marquée par l'inauguration fin mars du magasin de Saint-Vite. Après plusieurs mois de travaux, ce point de vente sous enseigne Gamme Vert est le premier du réseau L'ISADU à décliner sur près de 1000 m² le nouveau concept de la franchise. Le 12 juin 2014, la coopérative Terre-Comtoise et ses quatre filiales, Fèvre, Moulin-Jacot, Dubré et Thiébault, organisait sa rencontre agronomie et innovation sur le site de Rignier. Une journée riche en échanges avec plus de 400 adhérents et clients présents lors de cette manifestation. Ils ont pu découvrir sur un site de 7 hectares plus de 160 essais variétaux et les dernières innovations techniques en vue d'améliorer la performance et la compétitivité de leurs exploitations. Un accent particulier a été mis lors de cette édition 2014 sur la fertilisation et la conduite des orges hybrides. Ce dernier dossier avait été initié en 2012 lors d'essais effectués sur la plateforme de Mamirol. Ces essais grandeur nature, conduits dans des conditions pédoclimatiques de notre région, se sont avérés très concluants et ils ont abouti à la commercialisation de cette espèce. Les orges hybrides ont été rapidement plébiscités par les adhérents de la coopérative. Terre-Comtoise conforte ainsi sa position de leader régional sur ce dossier. ...2014 aura été marqué par un autre dossier important dans le Jura avec la rénovation profonde du silo de Denne. Les travaux débutés fin mars et qui se sont terminés en septembre ont permis une augmentation importante des capacités de séchage et recentrent ainsi cette activité dans le Jura sur un seul site et quatre stations de collecte, Poligny, Blétrand, Denne et les Aillis.
Elle passe ainsi de 570 tonnes par jour à 1000 tonnes, soit l'équivalent du site de Rignier. Quant au site de Dannemarie-sur-Crète, le projet de la nouvelle unité de fabrication d'aliments consacrée à la fabrication des aliments non OGM est aujourd'hui entré dans sa phase active avec la finalisation des dossiers administratifs liés au dépôt du permis de construire et l'autorisation d'exploitation. Avec la volatilité des prix du lait observée au début des années 2010, le conseil d'administration de la coopérative a choisi d'adhérer à la démarche Lactoplan, mise en place sur le plan national. Terre Comtoise a ainsi fédéré 70 adhérents répartis en deux groupes, l'un pour les AOC et l'autre pour le lait standard. Lactoplan permet d'identifier et comparer les différents postes de charge et voir quel est le poids de chacun dans la production laitière. Le 21 et 22 janvier 2014, les résultats annuels de chaque groupe étaient présentés. Les agriculteurs peuvent ainsi mettre en œuvre des pistes techniques pour améliorer les performances de leur élevage laitier. Ce travail bénéficie à terme à l'ensemble des adhérents de la coopérative. Terre Comtoise et sa division animale et végétale se sont fortement investis sur l'approvisionnement en tourteaux de soja de pays non OGM qui est récolté en Franche-Comté, pressé dans l'usine Extrusel à Chalon-sur-Saône et utilisé par nos coopérateurs. Ce dossier structurant a de forts enjeux pour notre région car il valorise une production locale, de qualité et tracée. Il permettra de garantir une autonomie protéique aux exploitations laitières de Franche-Comté. Les premières exploitations en zone AOP ont pu bénéficier à partir du mois de septembre 2014 des premières productions soja de pays. Notre modèle coopératif place la défense de notre agriculture, de ses filières régionales, au cœur de ses investissements. La direction générale et l'ensemble des 350 collaborateurs sont mobilisés au quotidien pour poursuivre cet objectif. Être adhérent de votre coopérative Terre Comtoise, c'est participer au développement et à la pérennité de notre agriculture en Franche-Comté.